Et ce matin encore, il nous amène en ces lieux. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Que son nom soit loué. Amen. Et ce matin, c'est l'ancien Jean-Claude qui nous parle. Et pendant qu'il s'avance, tu salues celui qui est à ta gauche, à ta droite. Et tout en acclamant les seigneurs des seigneurs. Amen. Nous bénissons l'Éternel ce matin pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en nous et pour le privilège qu'il nous offre d'être encore devant de vous pour parler de sa part. Nous disons merci à papa, merci à tous les conseils paroissiaux. Merci à tous les serviteurs de la parole de vie pour la confiance et l'amour manifestés en notre personne. Nous vous disons également, vous qui êtes là ce matin, merci pour votre présence. Parce que votre présence nous encourage, votre présence nous pousse encore à chercher la face de Dieu. Afin que nous puissions apporter la pensée de Dieu. Père, nous disons merci pour le privilège que tu nous offres de parler à ton peuple. Nous voulons une fois de plus en ce moment disparaître pour te laisser toi seul apparaître. Nous voulons que tu te serves de notre bouche pour communiquer ta pensée dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Laisse que cette parole, ô Dieu, puisse trouver sa place dans les cœurs de chacun. Qu'elle puisse orienter, éclairer, fortifier, équiper pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Depuis le mercredi, nous étions en train de parler. Et lorsqu'il nous a été de pouvoir, il nous a été donné de pouvoir parler cette semaine. Nous nous sommes questionnés sur le message que nous devrions apporter et cela que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de continuer. Avec le message sur la prière. Et voilà, depuis un temps, l'Esprit nous met à cœur de prier, sur, de parler sur l'heure de la prière. Déjà, dès l'introduction de notre message, nous avions dit que ce message n'avait pas pour but de vous donner le programme des prières de l'Église. Ce message n'avait pas pour but de vous rappeler votre programme de prières individuelles. Mais ce message, c'est un message qui s'adresse à une personne qui doit réaliser qu'au-delà des heures qu'elle passe dans la prière, elle a besoin d'une heure supplémentaire de la prière. Et cette semaine, nous avons abordé dans le même sens, mais nous avons pris pour modèle d'un homme de prière dans la Bible la personne d'Élie. Alors, avant que nous puissions aller plus loin, nous allons prendre les textes qui vont encore nous soutenir ce matin. Le premier texte, nous le trouvons dans le livre de Jacques au chapitre 5. Le verset 17. Ensuite, nous allons lire 1 Roi, chapitre 18, le verset 41 à 46, Matthieu, chapitre 17, 1 à 3,
Et nous allons atterrir encore avec 1 Rois 18:25-38. Jacques chapitre 5, 17 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. 1 Rois 18:41-46, nous lisons au nom de Jésus. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Matthieu 17:1-3. Kitabu kya Matayo sura ya 17 mstari wake wa kwanza mpaka wa 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Nous atterrissons avec 1 Rois 18:25-38. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier car vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu, mais n'émettez pas les feux. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et les préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais ils n'eurent ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la
l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, je parle sur un thème, les conséquences d'une vie de prière conséquente. Certainement, vous trouvez une tautologie dans mon thème. Mais si je peux encore me redire très bien, je dirais les résultats d'une vie de prière conséquente. En matière de prière, j'ai réalisé une vérité. Et quand je lis dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, le verset 18, là où l'apôtre Paul est en train d'exhorter le peuple à faire toutes sortes de prières et de supplications. C'est là que j'ai compris que dans les toutes sortes de prières, il y a différentes sortes de prières. Et l'Esprit m'a aidé à comprendre qu'en matière de la prière, il y a ce que j'appelle une vie de prière d'entretien. La vie de prière d'entretien, c'est une vie de prière qui te permet de conserver ce que tu as, de conserver le niveau que tu as, de sauvegarder ce que tu possèdes déjà. Mais l'effet néfaste lorsque tu demeures dans une vie de prière d'entretien et que la vie de prière d'entretien te maintient dans un certain statu quo. La vie de prière d'entretien ne t'expose pas à un certain changement. Mais la vie de prière d'entretien te permet de rester dans la routine de tous les jours. En dehors de la vie de prière d'entretien, j'ai compris aussi qu'il y a une vie de prière que j'appelle des combats. Dans la vie de prière de combat, c'est une vie de prière où il y a confrontation avec les puissances des ténèbres. C'est-à-dire la personne se sent oppressée, la personne se sent attaquée, et pour réagir à cette attaque de l'ennemi, la personne est appelée à s'élever dans la prière pour combattre les forces qui sont en train de lui imposer ce qu'elle est en train de vivre. Et la troisième sorte de prière que j'ai compris, c'est cette vie de prière transformatrice. Cette vie de prière capable de te mener d'une dimension à une autre dimension. Cette vie de prière capable d'apporter un certain changement dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ton environnement. Et lorsque je parle de la vie de prière conséquente, je ne suis pas en train de voir une vie de prière d'entretien. Je ne suis pas en train de voir une vie de prière de combat. Mais je suis en train de voir une vie de prière qui te fera sortir d'un niveau vers un autre niveau. Une vie de prière qui t'amènera d'une dimension à une autre dimension. Une vie de prière qui t'amènera à apporter des résultats visibles et palpables dans ton environnement. Alors, en méditant sur la vie de prière d'Élie, les textes que nous avons lus, le premier texte est en train de nous parler de cette personne d'Élie.
Et en semaine, je l'ai dit, l'apôtre Jacques, lorsqu'il était en train de parler d'Élie, certainement il s'est retrouvé devant une catégorie de personnes qui s'est vantée de leur vie de prière. Mais quand Jacques regarde la personne qui se vante de sa vie de prière, mais il réalise que la personne qui se vante, qu'elle a beaucoup prié, mais quand je regarde, il n'y a aucun résultat. C'est là que l'apôtre Jacques va prendre la parole pour lui dire: vous vous vantez de la façon dont vous priez, ou soit vous vous êtes découragé par rapport à la quantité de prières que vous avez déversées devant les trônes. Mais je vais vous donner l'exemple d'un homme qui avait la même nature que vous et moi. Cet homme, c'est Élie. L'apôtre Jacques commence par dire: Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Le même sang qui coulait dans ses veines, c'est le même sang qui coule dans mes veines et dans tes veines. La même charpente osseuse qui soutenait son corps, c'est la même charpente osseuse qui soutient ton corps. Élie n'était pas un super homme. Élie n'était pas un être qui venait du ciel. Élie n'était pas un être qui venait d'une autre planète. Mais c'était un homme de la même nature que toi et moi. Mais la différence avec cet homme, il pria avec instance pour qu'il n'y ait point de pluie. Et nous avons vu le ciel être fermé pendant 3 ans et 6 mois. La même personne pria encore avec instance pour que la pluie tombe. Nous avons vu la pluie tomber. Et donc, si tu me parles de la vie de prière, ne me raconte pas l'histoire de ta vie de prière. Et en semaine, je l'ai dit, en matière de la prière, nous n'avons pas besoin que tu nous racontes l'histoire de ta vie de prière. Mais nous avons besoin que tu nous fournisses les résultats de ta vie de prière. Certainement, quelqu'un peut s'élever: j'ai fait 3 jours de prière, de jeûne à sec. J'ai fait autant de jours à la montagne. Nous avons veillé toute la nuit. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Mais si tu me racontes cela sans me montrer les résultats, ce que tu me racontes, c'est une histoire. Et moi, je n'ai pas besoin de l'histoire. L'église n'a pas besoin de l'histoire. Le monde autour de toi n'a pas besoin de l'histoire. Mais le monde a besoin. Résultat, alléluia. Amen. Et voilà, nous nous sommes dit, on nous parle de la façon dont Élie a prié. Essayons de rentrer maintenant à son époque pour comprendre ce qui s'est passé. C'est là que nous avons trouvé les textes où il est en train de dire à Akab: monte et attelle tes chevaux et monte. Mange et bois. Il s'est fait entendre un bruit. Après cela, il monta à la montagne. Il commença à prier. Pour la première fois, il dit à son serviteur: va voir ce qui se passe. Le serviteur est parti. Il est revenu. Il n'y avait rien. La Bible nous a dit qu'il a fait retourner son serviteur 7 fois. Et j'ai dit 7 fois n'équivaut pas à 7 jours. 7 fois peut équivaloir à plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous avons essayé de faire cet exercice en semaine. Si la première fois, Élie pouvait se dire: je prie pendant 3 jours.
Après trois jours, il sort pour dire à son serviteur, va voir. Celui-là, il part. Il revient. Il n'y a pas de résultat. Et il rentre encore en prière. Si nous pouvons prendre ces rythmes uniformes, de trois jours, sept fois, donc ça sera sept fois trois, qui équivaut à 21 jours de prière. Mais si nous pouvons nous remettre dans la peau d'un pentecôtiste et prier pour la première fois trois jours, il n'y a pas de résultat. Mais un pentecôtiste qui se respecte, il se dira, comme la première fois j'ai prié trois jours, il n'y a pas de résultat. Cette fois-ci je redouble le nombre de jours, c'est-à-dire au lieu de trois jours je prie pendant 6 jours. Il prie pendant 6 jours. Pas de résultat. Encore comme un pentecôtiste. Il s'est dit, je vais redoubler de jours. Et si nous allons à ce rythme, nous allons trouver que cet homme d'Élie a prié pendant des semaines pour avoir un résultat. L'autre réalité que j'ai compris sur ces textes, c'est qu'une vie de prière sans objectif, c'est une sorte d'exercice spirituel. Une vie de prière sans objectif, c'est une sorte de gymnastique spirituelle. Une vie de prière conséquente, c'est une vie de prière dans laquelle on se fixe un objectif précis. Rentrons toujours dans le cas d'Élie. Lorsque Élie est entré dans la prière, le texte ne nous le dit pas clairement, mais par sa façon de faire, sa façon de prier, je comprends qu'il s'était fixé un objectif, c'est que j'entre en prière. Je sortirai de cette prière que lorsque la pluie va mouiller les sols. C'est ainsi que lorsqu'il est entré pour la première fois, le ciel n'a rien donné. Quel que soit ce qu'il pouvait entendre, parce qu'étant prophète, il ne pouvait pas stopper sa prière avant que le ciel ne lui ait dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il entre pour la première fois et il prie avant de sortir pour dire à son serviteur, va vérifier. Il y a quelque chose qu'il a vu. Il y a quelque chose qu'il a entendu. Et c'est ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, qui l'a motivé à arrêter d'abord la prière pour envoyer son serviteur pour qu'il vérifie. Mais quand il sort, c'est avec une révélation. Il envoie son serviteur. Le serviteur part, mais ne trouve rien. Il vient dire à Élie, il n'y a rien. Et il rentre encore en prière. C'est là que j'ai compris. En matière de prière, il y a des moments où je n'ai pas besoin de la révélation, je n'ai pas besoin de la vision, je n'ai pas besoin de la prophétie, je n'ai pas besoin d'un songe, je n'ai pas besoin d'un rêve, mais j'ai besoin de quelque chose que mes mains vont toucher, j'ai besoin de quelque chose que mes yeux vont voir, j'ai besoin de quelque chose que je peux expérimenter. Et il n'y a que des personnes qui sont déterminées comme cela qui pourront réellement expérimenter l'exaucement dans leur vie de prière. Quelle que soit la réponse que Dieu pouvait donner à Élie, Élie se disait, je ne quitterai pas tant que le sol n'est pas mouillé. Quel est l'objectif que tu as par rapport à ta vie de prière? Est-ce que tu es toujours dans une vie de prière? Est-ce que tu es toujours dans une vie de prière de combat? Ne vois-tu pas que tu as longtemps demeuré dans le même niveau? Ne vois-tu pas que tu as longtemps demeuré dans un certain statu quo? Ne comprends-tu pas qu'il faut que tu puisses monter des dimensions? Ne comprends-tu pas qu'il faut que les choses changent?
Ne comprends-tu pas qu'il faudrait que les rythmes de vie autour de toi puissent changer afin d'entrer dans un autre rythme de vie? Il n'y a que celui qui réalise que ça suffit, il faut que ça change, qui peut maintenant entrer dans cette dimension de la vie de prière conséquente. Lorsque tu te plais de ta situation, lorsque ta situation ne te challenge pas, lorsque ta situation ne te dérange pas, lorsque ta situation ne te pousse pas à te dire que je suis resté longtemps à ce niveau, le message que je suis en train de prêcher ne t'intéresse pas. Je parle à une personne qui réalise que ça suffit. Il faut que ça change. Ça suffit. Il faut que j'accède à un autre niveau de vie. Et si telle est ta situation, ce message est ton message. Est-ce que tu peux dire à côté de celui qui est à côté de toi, ce message est ton message. Voilà Eli pria. Je veux vraiment que vous soyez attentifs parce que je vous amène quelque part. Eli commence à prier. La première des choses, il dit, j'entends un bruit. La deuxième chose, il dit, va, wende, vois, kangalia. La troisième des choses, la Bible nous dit, la main de Dieu fut sur Eli. Il quoi Dieu Eli. Je rentre dans les textes de l'offrande, de la présentation de l'offrande. Où je rentre encore dans la situation où il s'est tenu devant le roi Akab pour déclarer qu'il n'y aura pas de pluie. Élie se tient devant Akab. Il ne dit pas. Dieu me dit qu'il n'y aura pas de pluie. Mais il se tient devant Akab. Il dit ceci. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de l'Éternel. Il n'a pas dit que Dieu m'a envoyé te dire. Il n'y aura pas de pluie. Il se tient. Il dit, anasema, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Et la Bible nous dit, na Bible tuambia, le ciel a été fermé pendant 3 ans et 6 mois à la parole de Dieu. Lors de la présentation de l'offrande maintenant, ils sont au mont Carmel. Le prophète de Baal, le prophète d'Astarté se réunissent ensemble. Ils étaient tellement nombreux. Élie était seul. Alors Élie dit ceci, comme vous, vous êtes nombreux, choisissez pour vous le taureau, faites des sacrifices à votre Dieu, mais seulement, ne mettez pas le feu à l'holocauste. Si votre Dieu est Dieu, il répondra par le feu. Je vous donne la chance de commencer. C'était depuis le matin. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Jusqu'à 12h. À 12h, Élie s'approche. Il commence à leur dire, augmentez des niveaux de prière. Montez encore un peu. Votre Dieu peut-être qu'il dort. Votre Dieu peut-être qu'il est occupé à une autre situation qui le dépasse. Votre Dieu peut-être qu'il est en train de siester. Criez encore plus fort pour qu'il vous entende. Mais je suis venu dire à une personne, le Dieu dont je prêche, il ne dort. Yes, il sommeille. Il ne sieste. Il n'est pas dépassé par le pendant que nous sommes ici aux États-Unis, il y a quelqu'un qui crie. Amen. Il y a quelqu'un qui crie. En Chine, il y a quelqu'un qui crie. En France, partout dans le monde, il y a des hommes et des femmes, quelle que soit la quantité de prières qui sont mortes, mon Dieu,
ne peut jamais être dépassé. Mon Dieu ne peut jamais te dire. Il y a trop de bruit à mes oreilles. Quelle que soit la langue, l'un peut prier en chiluba, l'autre peut prier en bemba, l'autre peut prier en anglais, l'autre peut prier en mandarin, l'autre peut prier en italien. Mais le Dieu dont je sers, quelle que soit la langue, il entend la prière. La Bible déclare, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes, quelle que soit ta langue, il t'entend. Et même lorsqu'on parlerait les langues des anges, et les hommes ne comprennent pas, mon Dieu entend. Élie s'approche, il dit, intensifiez votre prière. Et la Bible nous dit, ils se sont dit, ce que nous faisons, peut-être que notre Dieu ne le voit pas. Donc, on puisse faire des incidents. Et la Bible nous dit qu'ils se sont fait des entailles dans leur chair. Ils sont à commencer à couper. Mais j'aime ce que la Bible dit. Malgré ces entailles, malgré la douleur dans leur chair, malgré le sang qui coulait, la Bible précise en disant, il n'y a ni son ni signe d'attention. Alléluia. Il n'y a ni son ni signe d'attention. Alors, quand ils ont fini de prier comme cela, Élie va s'approcher maintenant d'eux en leur disant, c'est maintenant mon tour. Je veux qu'on puisse faire un peu cet exercice. Nous voulons chronométrer la prière d'Élie. Je vais lire les textes. Tout à s'il y a quelqu'un dans la salle, il peut nous chronométrer cette prière pour que nous puissions comprendre quelque chose. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, au verset 36. Je saute Analuka, la première partie, kipande kia kwanza, je commence par, si vous avez vos Bibles, kama una Biblia yako, au moment de la présentation de l'offrande, mwakati ya kuonyesho kia sadaka, Élie le prophète s'avança Élie nabia kakaribia, et dit, na kasema, c'est par là que la prière commence. Ni pale maombi inaanzia. Chronométrons maintenant. Tuekeni sasa ça. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Non, ne m'interprète pas parce que ça va fausser les résultats. Nous voulons chronométrer les résultats. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Combien de secondes? Y a-t-il quelqu'un qui a chronométré? Est-ce que vous avez le d'Akika? Combien? Pardon? 25 secondes. Ah bah c'est 26 secondes. Qui d'autre? 24. Donc, si nous pouvons prendre la moyenne, c'est 25 secondes. Regardez maintenant, le prophète de Baal, d'Astarté, a prié depuis le matin jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande. L'heure de la présentation de l'offrande, c'est 15h. Pour ceux qui lisent les commentateurs de la Bible, c'est 15h, 3h. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à prier depuis 8h jusqu'à 15h. Et la Bible nous dit, il n'y a ni son, ni signe d'attention. Mais la personne de lui, elle se tient. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin d'invoquer. Elle n'a pas besoin de lier. Mais elle dit tout simplement, une prière qui a duré 25 secondes et qui a changé la vie de tout un peuple. Alléluia.
Amen. Nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes de prière. Tu connais ces manaïne et wanamke et wanaume bavile. 25 secondes. Seconde avant que le feu est descendu du ciel. Écoutez encore. Ce qui en était là. Dans ces textes. Daniel andiko. Élie a fait quelque chose de particulier. Et là, il faut que tu il découpe le taureau. Anakata ulengombe. Il l'installe. Anamuterisha. Ensuite, il dit. Kisha nasema. Mouillez cette offrande. Mulobanisha isadaka. On verse de l'eau pour la première fois. Bana mwanga machi kwa mara ya kwanza. Il dit ça ne suffit pas. Asema itoshi. Mouillez encore. Mulobanisha yotena. Il verse de l'eau pour la deuxième fois. Bana mwanga machi kwa mara ya pili. Il dit ça ne suffit pas. Aitoshi. Mouillez encore. Mulobanisha yotena. Il verse de l'eau pour la troisième. Bana mwanga machi kwa mara ya tatu. Non seulement cela. Apana tu ile. Il avait pris le temps de creuser tout autour de l'autel. Alichukua wakati kuchimba mfereji kando kando ya ile sadaka. Et l'eau a rempli tout autour. Pour démontrer à la face du monde que nous n'allons pas tricher ici. Nous allons juste démontrer. Et quand il a prié sa prière de 25 secondes, la Bible dit que le feu est descendu du ciel. A consumé l'holocauste. A consumé le bois. A consumé le pierre. A consumé la terre. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de l'eau. Alors je commence maintenant mon message. Ce matin je suis venu te parler des six choses que la vie de prière conséquente va t'apporter. Tout ce que je dis c'est une introduction. Alors mon message commence. Je te parle des six choses que la vie de prière peut apporter dans ta vie. La première des choses, lorsque tu as une vie de prière conséquente, la vie de prière conséquente augmente en toi le pouvoir de la déclaration. Il y a quelqu'un qui comprend. Si tu as compris ce que tu peux acclamer les saints. Si tu as une vie de prière conséquente, sache que ta vie de prière conséquente augmente ton pouvoir de la déclaration. Lorsque Élie se tient devant Akab, Élie n'a pas besoin de dire Seigneur, écoute-moi, je suis ton serviteur. Si tu n'agis pas ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va me couper. Élie a savait qu'il avait une prière, une vie de prière conséquente. Élie savait qu'entre lui et Dieu, il n'y avait pas de microbe. C'est ainsi que quand il se présente devant un cadre, il n'a pas besoin de faire de prière kilométrique, mais il a tout simplement besoin de déclarer. Il n'y aura pas de pluie selon ma parole. Cette phrase, cette déclaration ne reposait pas sur la prière qu'Eli a fait sur place, mais cette déclaration reposait sur la vie de prière qu'Eli avait dans la cachette. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la déclaration que tu fais, et vous savez d'ailleurs, en matière de déclaration, nous les pentecôtistes, nous sommes tellement spécialistes, sans effet, ça ne fera rien. Mon frère, tu peux dire sans effet, mais si dans les secrets, il n'y a rien qui soutient ton sans effet sur les champs de bataille, tu verras des effets. Ça ne sert à rien. Et donc, c'est de dire sans effet. C'est pas si bon, mais si dans les secrets, tu n'as pas une vie de prière. Élie a dit il n'y aura pas de pluie. Il s'est reposé sur le nombre de jours qu'il a fait dans la prière. Il s'est reposé sur la quantité de sacrifices qu'il a fait dans la prière. Il s'est reposé sur son intimité qu'il avait avec Dieu dans la prière. Mon frère, ma soeur, la vie de prière dont je parle, ce n'est pas cette vie de prière où nous nous réunissons, nous entamons une semaine de prière bulldozer. Non, je ne parle pas de la prière de la masse. Mais je parle de la prière dans les secrets.
Je parle de la prière dans les secrets. Où personne ne te voit. Où personne ne t'entend. Mais c'est ton cœur et toi. C'est en matière de la prière. Il y a des moments où je peux être à côté de toi. Mais tu ne sauras pas quand je prie. Ma femme elle est là. Par moment elle ne sait pas quand je prie. Et quand je ne prie pas. Si je veux qu'elle soit édifiée par la prière, j'ose la voix. Mais si je ne veux pas qu'elle entende ce que je dis, elle me verra. Mais elle n'entendra. Mais dans les cœurs, là, il y a des choses qui montent vers le haut. Ma frère, ma soeur, développe une vie de prière personnelle. C'est ta vie de prière cachée qui garantit la réalisation des déclarations que tu fais. Si tu n'as pas une vie de prière conséquente, aucune déclaration que tu feras aura des effets. Et si aujourd'hui nous pouvons avoir des hommes et des femmes de prière, il y a des choses que nous allons changer par notre déclaration. Que ce soit dans notre église, que ce soit dans notre province, que ce soit dans notre pays, si seulement nous pouvons trouver si seulement nous pouvons trouver une femme de prière, elle peut s'élever et proclamer et déclarer que les choses arriveront. J'aime tellement la Bible. Le Seigneur nous dit, je te donne le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est ce qu'Élie a fait. Il se tient devant Akab. Il ferme les cieux. Pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Il se lève encore. Il ouvre les cieux. Que la pluie tombe. Et la pluie est tombée. J'aimerais dire à une personne, ne t'attaque jamais à une femme de prière. Ne t'attaque jamais à un homme de prière. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est capable de fermer sur ta vie. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne t'attaque jamais. C'est un conseil que je donne à un homme de prière. Ne t'attaque jamais à une femme de prière. Tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne peut fermer sur toi. Et lui dit, pas de pluie. Avant qu'il prononce, il y avait des justes en Israël. Tout le peuple ne s'était pas détourné de Dieu. Non. Il y avait des gens qui priaient véritablement. Mais à cause de la déclaration d'Élie, même ceux qui priaient véritablement ont été frappés par la punition qu'Élie a infligée à tous. Si Dieu peut trouver dans l'église parole de vie un homme de prière, une femme de prière, il y a des choses que le ciel va libérer pour la parole de vie. Il y a des choses que le ciel va bloquer sur la vie des ennemis de la parole. Et je je ferme les cieux pour quiconque s'attaque à toi. Je ferme les cieux pour quiconque forme des réunions secrètes contre ta vie. Je ferme les cieux pour quiconque se ligue en secret contre ta vie, contre ta maison, contre ton travail, contre tes enfants. Je ferme les cieux sur lui. La vie des prières conséquentes augmente votre pouvoir dans la déclaration. Ça, c'est la première des choses. La vie de prière conséquente. La deuxième chose, vous prépare pour des résultats instantanés sur les champs de bataille ou sur les terrains. La vie de prière conséquente
attentes vous prépare pour des résultats instantanés sur les champs de bataille, sur les terrains. Mon frère, ma soeur, ici je m'adresse aux évangélistes. Sur le temps, sur le chemin ou bien sur les champs évangéliques, ne viens pas avec des prières kilométriques. Sur les champs évangéliques, tu es devant un cas. Ne te mets pas à genoux à commencer à implorer. C'est ta vie de prière cachée qui va révéler des résultats instantanés. Sur les champs de bataille, on n'a pas besoin de supplier Dieu. Sur les champs de bataille, on n'a pas besoin de lier des démons. Sur les champs de bataille, on a besoin d'ordonner et les choses accomplissent. Mais comment sera-t-il possible si vous, évangélistes, vous n'avez pas une vie de prière conséquente? C'est la vie de prière conséquente qui te prépare au résultat instantané. C'est ça qui fait la différence. Vous allez trouver deux hommes de Dieu. L'un, il fournit beaucoup de sacrifices pour qu'il y ait un résultat. Mais l'autre, il se présente en moins de 5 minutes. Vous avez des résultats. Ce n'est pas le fétiche, mais c'est la conséquence de la consécration. De la conséquence de tonnes et de tonnes et de tonnes de prières dans les secrets. C'est la conséquence des sacrifices dans les secrets. C'est la conséquence de la discipline dans les secrets. Alléluia. Amen. C'est la conséquence. Tu veux nous montrer des preuves? Ne viens pas sur le terrain commencer à lier, commencer à déclarer tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Souviens-toi de mon appel. Tu m'avais appelé quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui, Seigneur, manifeste-toi. C'est l'histoire. C'est la gymnastique. Sur le terrain, déclare. Tangaza. Sur le terrain, Pachamba vite. Ordonne. Amour tout. Élie se présente. Il dit, Anasema ivi. Ici, apa. Je n'ai pas besoin Shina lazima. De prier de midi jusqu'à 16h. 16h. Et on priait. Na boba liomba. Du matin jusqu'au soir. Paka mais moi, je sais. Ce que je fais dans les secrets. Il se présente. Il dit tout simplement: Éternel Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tu es mon Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur. Pendant qu'il parlait, il n'a même pas dit que le feu descend. Mais pendant qu'il parlait, le ciel savait déjà l'intention qui était dans le cœur. Pendant qu'il parlait, feu est descendu du ciel. Mon frère, ma soeur, l'heure vient. Et elle est déjà là où nous avons besoin des hommes, des femmes. Quand il se tient debout, il n'a pas besoin de lier. Il n'a pas besoin de chasser. Il n'a pas besoin de rappeler Dieu. Mais il a besoin tout simplement: je suis ton serviteur. Que telle chose se passe et la chose se passera. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi: sois cette personne que le monde cherche. La Bible ne dit-elle pas que la création tout entière soupire, cherche ardemment de voir la révélation du Fils de Dieu? Le monde a besoin de la révélation. Et cette révélation, ce ne sont pas des prophéties. En semaine, je l'ai dit, pour ceux qui sont attentifs au mouvement de l'esprit,
Il y a deux vents qui ont soufflé dans le monde en général et au Congo en particulier. Le premier vent qui a soufflé, c'est le vent de la parole. Il y a des hommes qui ont prêché. Quand vous entendez la prédication, vous vous posez la question, est-ce que cet homme lit la même Bible que moi? Donc, il lit une autre Bible. Tellement de choses qu'il dit, j'ai mis le même verset, mais ce n'est pas de cette façon que je l'entends. Ça, c'est le vent de la parole. Pendant cette période, et depuis un certain temps, le deuxième vent a soufflé. C'est le vent prophétique. C'est pourquoi vous entendez partout les prophètes. Mais il y a un vent qui est sur le point de souffler. C'est le vent des signes prodiges. Que je parle à quelqu'un. C'est le vent des signes et prodiges. Mais quelle est cette femme qui déclenchera ces vents? Quelle est cet homme qui déclenchera ces vents? Et ce matin, je suis venu dire encore à une personne, tu es capable d'être cette personne par laquelle le monde va expérimenter des choses qu'il n'avait jamais expérimentées. Le problème, c'est ta consécration. Le problème, c'est ce que tu fais dans les secrets avec Dieu. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. La muka. Réveille-toi. La muka. Réveille-toi. La muka. Réveille-toi. Si mama. Réveille-toi. Si mama. Réveille-toi. La muka. Ne laisse pas le monde te distraire. Ne laisse pas ton problème te clouer. À tel point que tu n'as même plus la force de prier. Et même tu considères cela comme un luxe. Ces derniers temps, je n'ai pas vraiment la force de prier. Le problème est pas. Tu trouves que c'est un luxe? Tu trouves que c'est un luxe? Réveille-toi! La mouka! Réveille-toi! Si mama. Réveille-toi. La muka. Secoue tes habits. On t'a couvert de larmes. Secoue tes habits. Que les larmes tombent. On t'a couvert de la poussière. Secoue tes habits. Relève-toi. On t'a écrasé. Mais tu n'es pas mort. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma soeur. Je l'ai toujours dit. Nous sommes de la race. De ceux-là que vous allez écraser. Mais si seulement vous nous laissez avec un grain de soupe, quelle que soit la douleur, quel que soit le gémissement, quel que soit le plaie, quelle que soit les blessures, mais si seulement en nous il y a un grain de souffle, vous nous retrouverez debout. Vous nous retrouverez debout. Rassurez-vous que vous nous avez écrasés et vous nous avez enterrés et que les arbres ont poussé sur notre tombe. Mais si vous ne faites pas cela, vous nous retrouverez debout parce que nous savons que les uns s'appuient sur leurs chats, les autres s'appuient sur leurs chevaux, mais nous autres, nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que l'homme de Galilée. Nous n'avons que le ressuscité du troisième jour. Nous n'avons que le soleil de justice. Et lorsque nous nous appuyons sur lui, la justice finira par paraître. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime. La troisième chose que la vie de prière amène. Une vie de prière conséquente brise la loi de l'impossibilité. Une vie de prière conséquente brise la loi de l'impossibilité. Élie se présente. Il prépare son offrande. Il dit, versez de l'eau. On verse de l'eau. Il dit, ça ne suffit pas. Versez encore. Versez encore la troisième. L'eau remplit
même le tranchée était autour de l'Olivier. Je crois que pendant ce temps-là, le peuple se disait Elia n'a bien biche. Les gens disaient que Allah il s'est maintenant trompé. L'eau est l'ennemi du feu. Eli anabialabish. Ah là, il a détruit, il a abîmé les choses. Il pouvait laisser le sacrifice. Pas deuxième fois. Regardez comment. L'eau est en train de ruisseler. L'eau est en train de couler. Est-ce que le feu pourra prendre? Il n'y a ni pétrole. Il n'y a ni mazout. Il n'y a rien. Il ne savait pas prier. Une vie de prière conséquente brise la loi de l'impossible. La loi de l'impossible elle établit des limites. Ici, jusqu'ici, oui. Mais pas jusque-là. Ce matin, je suis venu te dire si il y avait cette loi dans ta vie, on t'a établi des limites. Ce matin, tu quitteras ces limites-là. La loi de l'impossible, elle vous établit des règles d'opération et de fonctionnement. Pour dire, lorsque tu respectes ces principes, les choses vont se passer telles que prévues. Lorsque tu te conformes au fonctionnement, les choses vont se réaliser telles que prévues. Mais là où il y a une vie de prière conséquente, la loi de l'impossibilité est brisée. La loi des règles de fonctionnement épuisé. Parce que quand un homme de prière entre et que Dieu veut réellement que cet homme s'établisse quelque part, s'asseye quelque part, juste de certains avantages quelque part, quelles que soient les règles établies en ces lieux, la vie de prière brisera la loi de l'impossible. Élie se présente devant l'autel. L'eau est déjà placée sur le sacrifice. Tout le monde se dit c'est impossible. Mais quand Élie entre en action, la loi de l'impossibilité est brisée. Le Dieu a brûlé le locus, a brûlé le bois, a brûlé même l'eau, a brûlé les pierres, jusqu'à ce que l'eau a été complètement calcinée. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec la vie de prière. Aie une vie de prière conséquente. Je ne sais pas qu'est-ce qui est impossible pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit, qu'est-ce qu'on t'a raconté, qu'est-ce qu'on t'a dit. Mais ce que je sais, c'est que lorsque tu te leveras dans la prière, cette loi de l'impossibilité sera brisée. La vie de prière conséquente brise la loi de l'impossibilité. Si je veux, vous savez, je vous ai donné un texte, le texte de la transfiguration. Jésus, à la montagne de la transfiguration, à côté de lui Moïse et Élie. Pourquoi je vous ai donné ce texte? Ces trois personnes nous montrent l'exemple de la vie de prière conséquente. Élie se retrouve devant un camp. Il déclare. Il se retrouve devant le prophète de Baal. Il fait une prière de 26 secondes. Les résultats ne parlent pas. Moïse se présente devant Pharaon. Il déclare que l'Égypte sera frappée. L'Égypte a été frappée.
Il se retrouve anapatikana devant l'impossibilité appelée la main rouge. Pharaon rit. Pharaon est bacheka. Il dit ils sont sortis. Baritoka banenda. Mais devant la main rouge. Bele abari mwekunda. C'est impossible qu'ils traversent. Aba taweza kutambuka hapo. Le peuple se retourne vers Moïse. Taifa namgeukia kina Musa. Il commence à pleurer. Ikaanza kulia kumtompolea. Commence à se poser des questions. Bakazo tuliza maulizo. Mais la personne de Moïse. Lakini mtu akina Musa. Va leur dire. Akawaambia hivi. Il va juste déclarer. Akatangaza tu hivi. Les Égyptiens que vous voyez. Awa wa Misri wote mko naona leo. Vous ne les verrez plus jamais. Amtika baonaka tena kamwe. Il n'a pas prié Mungu. Asse Seigneur. Chusha moto ba chu. Quel effet le conseil Seigneur. Mupanga yako ibakete bichwa. Quel tonne pile complète Seigneur. Bulongo bufunguke. Que la terre s'ouvre apana. Il a déclaré. Alitangaza tu misemo. Les Égyptiens. Awa ba Misri mko naona. Vous voyez. Awa mko naona leo. Vous ne les verrez plus jamais. Amte baona tena kamwe maisha yenu. Jésus devant la tombe de Lazare. Yesumbe la kabuya Lazare. Il n'a pas fait de prière kilométrique. Asufanyeke maombi ya mrefu sana hapa. Mais il a déclaré. Alitangaza tu. Lazare sort. Lazare toka. Lazare est sorti. Lazare alitoka. Aie une vie de prière conséquente. Kuna na maisha maombi ya matokeo. Devant les situations. Bela ma ali ya mambo. Tu ne vas pas transpirer. Auta toka yashu. Ce qui te fait transpirer devant les situations, c'est le fait que tu n'as pas une vie de prière conséquente. Mais si tu as une vie de prière conséquente, devant les situations, tu ne trembleras pas. Jésus n'a pas tremblé devant la tombe de Lazare. Élie n'a pas tremblé devant le prophète de Baal. Moïse n'a pas tremblé devant Pharaon et la mer. Parce qu'il savait ce qu'il faisait dans les secrets. Devant la mer rouge qui semblait être impossible. Mais quand Moïse se présente, la prière ne connaît pas impossibilité. La mer rouge a cédé le chemin. Le peuple a traversé. Mon frère, développe la vie des prières. Ma soeur, développe la vie des prières. Si je vais prendre encore Jésus dans la barque avec ses disciples, les vents se lèvent, les vagues se soulèvent, remplissent la barque. Les disciples sont effrayés. Ils voient une mort certaine. Une mort inévitable. Une mort par noyade. Mais pendant ce temps, l'homme de Galilée dort. Il s'approche devant lui pour lui dire, mais est-ce que tu ne t'inquiètes pas du fait que nous sommes en train de mourir? Jésus se lève. Il ne commence pas à chasser les esprits des eaux. Je lis les esprits des eaux. Je chasse les esprits des eaux. Toi, les qui attendent des eaux, laisse les peuples tranquilles. Tout est bon traversé. Il ne lit pas les esprits des eaux. Il ne lit pas l'esprit caché dans le vent. Mais Jésus se lève. Il dit, tempête, Zuruba, calme-toi. Nyamaza kimia. Tais-toi. Kala kimia. Silence. Nyamaza. Il y a un silence. Kulikuwa kimia. Mon frère, ma soeur, duko na dada, développe une vie de prière. Chanua maisha maombi. La vie de prière maisha maombi vous amène dans le domaine où l'impossible devient possible. Le feu de mon cœur et ma prière et qu'il y ait des hommes et des femmes que le Seigneur va susciter au Seigneur qui vont vaincre ce domaine de l'impossible. La quatrième chose rapidement, une vie de prière conséquente augmente votre capacité de réceptivité spirituelle. Ongeza ile atua yako ya kupokea vitu vya kiroho. Élie entend
un bruit. Kelele. Pendant que les gens qui sont autour de lui n'entendent rien. Une vie de prière conséquente augmente votre sensibilité spirituelle. Augmente votre capacité à discerner les temps et savoir faire ce qu'il faut pendant ces temps. Lorsque vous avez une vie de prière conséquente, vous aurez la capacité de discerner les temps et ce qu'il faut faire pendant ce temps. Je n'ai pas le temps de développer tout cela. Je suis en train juste de citer. Lorsque vous avez une vie de prière conséquente, sachez que votre capacité de recevoir le message de Dieu va augmenter en toi. Alors, je parachève parce qu'ici, il y a deux ou trois points que je n'ai pas dit. Mais je vais terminer avec ce dernier point. Elia entend le bruit. Il dit à son serviteur, va. Ensuite, il dit à Akab, monte sur ton char, pas. Mais lui-même reste là. Akab le précède. Akab se dit, je suis en avant. Je l'ai précédé. Mais pendant qu'Eli reste, la main de Dieu saisit Eli et l'amène devant Akab. Eli arrive à Jisrael avant Akab qui était monté sur son char. Il a fait que Jisrael mbele Akab al pantaka baye pa fara ka na matangu. Akab arrive à Jisrael. Wakati Akab anafika pale na trouve Eli déjà. Ana mkuta Eli safika zamani. Mon frère, ma sœur. Duna dada. La vie de prière. Maisha maombi. Elle incline la main de Dieu en ta faveur. Il est namisha mkono ya Mungu kwa upande wako. Lorsque tu as une vie de prière conséquente. Wakati una maisha maombi matokeo. Ta vie de prière. Maisha kwa maombi. Incline la main de Dieu en ta faveur. Il est namisha mkono ya Mungu kwa maisha yako. Écoutez ce qui s'est dit. Sikemi ni fachika. Akaba precedé. Akaba na mtangulia. Eli est resté. Eli anabakia. En d'autres termes. Kuna mwingine ingine. Eli était en dernière position. Mais quand Akaba arrive, il trouve Eli en première position. Kuta Eli akaka. Donc la main de Dieu. Mkono ya Mungu. Est capable de faire. Iko na isaja kufanya. Que le dernier. Wa mwisho. Devient le premier. La main de Dieu est capable de faire que ceux qui t'ont précédé avant d'arriver, ils te trouvent toi déjà en place. La main de Dieu est capable de te préserver, de te protéger, de te bénir, de te lever. Si tu as une vie de prière, et je suis venu dire à une personne, ton temps d'élévation arrive. Ton temps d'élévation arrive. Ton temps d'élévation arrive. Ça ne dépendra pas de ce qui se passe à gauche, de ce qui se passe à droite, de ce qui se décide dans un bureau, mais ça dépendra de la main de Dieu qui est inclinée en ta faveur. Ça dépendra de la main de Dieu qui te ramassera de la bassesse pour faire de toi une personnalité importante. Et je parle aux personnalités importantes dans cette situation. J'entends un vent. Il y a même des personnalités importantes. J'entends un vent. Il y a même l'élévation. J'entends un vent. Il y a même la stabilité. J'entends un vent. Il y a même le miracle. J'entends un vent. Il y a même des conversions. J'entends un vent. Il y a même des blasturé de Bertikir. J'entends un vent. Nasikia kelele. Aligne-toi seulement. Ujipange tu sawa sawa. Aligne-toi seulement. Ujipange tu sawa sawa. Aligne-toi seulement. Ujipange tu sawa sawa. Aligne-toi seulement. Ujipange tu kadiri sawa sawa. Ce vent va te prendre. Il peut mettre de là où tu es pour t'amener dans la dimension où les gens se demanderont qu'est-ce qui vient de se passer. Est-ce que c'est ça ou bien ce n'est pas ça? Mais quand toi-même tu vas regarder, tu connaîtras ta source. Tu diras ceci. Vous êtes comme des Akab. Vous êtes appuyé sur
êtes appuyés sur vos chevaux, mais nous sommes ici. Nous nous sommes appuyés sur l'Éternel des armées. La Bible déclare qui s'appuie sur les chars, cela s'appuie sur les chevaux, mais nous invoquons l'Éternel Dieu des armées. Ce qui veut dire, quand je m'appuie sur l'Éternel, sa main me ramassera. Même si aujourd'hui vous ne voyez pas ma valeur, mais je sais, le temps arrive où vous reconnaîtrez ma valeur. Le temps arrive où vous reconnaîtrez la valeur qui est à côté de la personne qui est à côté de toi. Alors, parce que le plan de Dieu, c'est un mystère. Ne méprise pas celui qui est à côté. Je termine en disant, regarde la personne qui est à côté de toi. Regarde-la. Ne la méprise pas. Quel que soit son accoutrement, quel que soit sa petitesse, quel que soit le manque du moment présent, quelle que soit la faiblesse dans laquelle il est, ne méprise personne. Ne méprise personne. Ne méprise personne. Ne méprise personne. Dans le ciel, il y a un Dieu, maître de temps et de circonstances. Et comme il est maître de temps, il travaille avec les juges temps. Et les juges temps. Mais chacun à sa place. Le temps. C'est le meilleur juge. Aujourd'hui, on t'a mis par terre. Ne t'inquiète pas. Le temps finira par te remettre à ta place. Aujourd'hui, on t'a critiqué. Ne t'inquiète pas. Le temps finira par te remettre dans ta valeur. Aujourd'hui, on t'a couvert de honte. Ne t'inquiète pas. On t'a couvert de cendre. On t'a humilié. On t'a critiqué. On t'a pointé du doigt. Ne t'inquiète pas. Car dans le ciel, il y a un Dieu qui travaille avec le temps et les juges temps, remettra chacun à sa place. Que Dieu bénisse sa parole. Les résultats d'une vie de prière conséquente. Si ce message est pour toi, tiens-toi debout, nous voulons prier. Commence à prier, je ne te donnerai pas une réponse. Commence seulement à prier. Anza tukuomba. Commence seulement à prier. Anza tukuomba. Commence seulement à prier. Anza tukuomba. Commence seulement à prier. Anza kuinua sauti yako. Commence seulement à prier. Anza kuinua sauti yako. Commence seulement à prier. Anza kuinua sauti. Kwamba tu vile tukae kusikia. Lève la voix. Inua sauti yako. Commence à prier. Na anza maombi. Si quelqu'un peut nous entonner. Kama siku tuimbe wimbo. Le chant des atoms. Wimbo ya atoms. Où il dit. Kule nakuwa nasema. Dans les secrets. Dania Syrie. C'est ce chant. Cache-toi. Cache-toi. Il dit, dans ce chant, Tom dit. Dania Mwimba Tom Sansema. Quand j'apparais, je me cache dans les secrets. Commence à prier. Commence à prier. Aza kuomba. Aza maombi. Commence à prier. Aza kuomba. Cache-toi. Ou des fiches. Cache-toi. Ou des fiches. Cache-toi. Ou des fiches. Il est temps de se cacher. Il est temps de se cacher. Il est temps de se cacher. Je vous l'ai dit, en vérité, il est temps de se cacher. Il est temps de rester en intimité avec Dieu. Il est temps de prier encore quand tu n'as jamais prié. Il est temps de chercher la face de Dieu encore une fois de plus. Il passe en sans référence. Oui. Un bon matin devient une légende. Na mesana nangate kunyabana. Alléluia. L'écoute ta prière en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kumelana lo sambwe. Tu m'as appelé, je le sais. Les amours sont plus là quand tu nanga. Continue à prier.
Mais voici, Seigneur, pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à tes pieds pour aller bas lui soussouer. Mais voici. Avant d'être exposé, mais voici. Il me dit, cache-toi. Mais voici. Avant d'être exposé, il te dit ce matin, cache-toi. Envoie ma soeur, cache-toi. Avant d'être exposé. Écoute, ce qu'il y a. Si je dois te donner une requête ce matin, prie pour que la main de Dieu te localise. Demande seulement que la main de Dieu te localise. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quels sont les défis auxquels tu te retrouves. Mais prie pour que la main de Dieu te localise ce matin. Élève la voix et commence à prier. Que la main de Dieu te localise. Que la main de Dieu localise ta famille. Que la main de Dieu localise ton travail. Que la main de Dieu localise tes enfants. Que la main de Dieu localise tes finances. Que la main de Dieu localise ton ministère. Que la main de Dieu localise tes affaires. Que la main de Dieu te localise. Au nom de Jésus. 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 Cache-toi. Au nom de Jésus. Bombana. Au nom de Jésus. Et si quand je s'appelle. Nabatonae bamonateo bombana avant d'être exposé. Oh, cache-toi, bombanae. Et si kabato mokili, bako ki kombonate, cache-toi.